Ok, je vous débarrasse. Yes. Bonjour à tous, nous sommes ici à Futurist Game dans le centre de Bruxelles. C'est une salle de jeu qui permet de jouer en réalité virtuelle. C'est complètement fou, là je viens de dérouiller 25 ninjas et je suis mort 3 fois. C'est une immersion totale. On va vous montrer d'ailleurs comment ça fonctionne. Oui, c'est tout noir. Ah mais je suis coincé ici à l'intérieur d'un squelette de baleine on dirait. Quand vous êtes dans la réalité virtuelle, vous êtes vraiment coupé de la réalité, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui crient. Et surtout quand on joue en multijoueur, on voit les gens qui peuvent s'exprimer avec des mots un peu grossiers. Ça arrive souvent, mais bon, c'est ça qu'ils viennent rechercher ici. Quoi. Alors voilà, maintenant je vais jouer un jeu multijoueur avec mon collègue ici. Bonjour. Hein, bonjour, ça va ? Bonjour, enchanté. Je vais te dérouiller, mec. Ouais. T'es sûr ? Ensemble, ah. Comme la Belgique, hein, pas détruire. Ah, en fait, on joue ensemble, voilà, ça va être un jeu bilingue. Hein. Voilà. Bon, ben alors, mon collègue. Oui. Alors, bonne chance. Niet gemakkelijk. Gauvin, niet evident. En vooral, je moet de ruimte beperken. Als je tegen de muur botst, c'est dangereux, hein, contre le mur. Oui, oui, mais oui, c'était très difficile. Hein. J'ai failli le tuer plusieurs fois et j'ai un peu perdu les repères. J'avais un peu du mal au début, mais il y a eu plein de sang, on a tué plein de zombies. Et franchement, c'était cool. Alors, il y a un effet très particulier après avoir passé tout ce temps en immersion dans la réalité virtuelle. C'est le sentiment, quand on retourne à la vraie réalité, que les dimensions sont un peu étranges, que les distances, tout est un peu différent. Salut!